Bonjour à tous et bienvenue dans ma longue série de try pour faire le factionnaire Gangrelige. J'espère que vous n'entendez pas les travaux derrière. J'ai la fenêtre fermée, je ne peux pas faire mieux. Pour vaincre cette saloperie. Dire que je l'ai mis à 26. Bon. Ah bah dis donc, qu'est-ce que c'est mieux. Et donc je l'ai frappé trois fois, c'est bien. La stratégie ici, c'est qu'il faut frapper trois fois avec la raclée qui lance son soin sur la mascotte que l'on veut. C'est-à-dire que là, au tour suivant, pour bien le dégommer, on va mettre les tourelles. Mais lui, il va commencer à se soigner parce qu'il est sous les 1000 PV. Un truc comme ça qui est scripté, hein. sous 50% de vie, il se soigne, un truc comme ça. Bon. Là, on interrompt son soin. Voilà, c'est très technique. Là, on protège les panifies de la mascotte qui va nous servir à le finir. Et on tabasse. Je suis obligé de tout recommencer. C'est une team qui est fragile à ce point-là. Bon, enlever ma roue de mort. Ah, d'accord, j'ai rien dit. Allez, 3 coups, il me faut 3 coups. 1, 2, 3. On le ralentit. On le ralentit pour pouvoir premièrement l'interrompre en fait, tout simplement. Premièrement pour pouvoir l'interrompre, c'est-à-dire c'est vraiment le prêt. Et au tour d'après, si on le ralentit, c'est pour bloquer les dégâts de... Hop. De sa corruption gangrenée. Si on fait ça, c'est pour protéger les points de vie chérie du gnome mécanique. Et ensuite on se soigne en tant que lui, mais lui il va crever, il le sait pas encore, il est déjà mort. Ça va pas ? Mais c'est pas vrai, il fait scratch. Il est censé faire des attaques. Voilà, c'est bien, continue à faire ton. Guignol. Mais non, mais arrête de faire scratch, sérieusement. Pff.
Là, on va passer un tour parce qu'il est quand même moins dangereux que l'autre. Hein. Oh non! Là, j'en ai marre en fait, parce que bien sûr c'est RNG le comportement des mascottes sauvages, mais c'est aussi très énervant. C'est pour ça qu'on préfère prendre des mascottes sauvages, c'est un truc qui ne sert à rien quand hein. Enfin, on les affronte pour augmenter les chances qu'elles le fassent. 2, 3. On ralentit. On refait la combo, blessure explosée. Oui, c'est ça, c'est pas bien. Les tourelles, on interrompt quand il veut se soigner. On protège les points de vie chéris. En réalité, au-delà des points de vie chéris, chéri, ce qu'on veut, c'est qu'il survive et qu'il puisse faire du devoir. Bon, ça se passe bien. On pose la tourelle. On se soigne. Et maintenant, on veut que ça marche. Ah, c'est bien ça, ça fait pas très mal. Enfin, sur un truc qui n'a pas rien pour protéger les points de vie, c'est parfait. Bon, là, il m'énerve, alors je vais lui donner un coup de poing quand même. Là on se soigne. Et merde. On respire un coup, on refait tout ça. Il faut qu'il y ait plein de trucs qui servent à rien, lui. On recommence tour 1. Pourquoi? Parce que lui, il a subi un coup critique. Il m'a mis un coup critique.
on recommence. Ça change rien au processus puisque cette mascotte meurt, donc voilà, elle meurt maintenant quoi qu'il arrive. On profite de la combinaison entre blessure et infectée et switch. Ouf, on interrompt le soin. On se protège. Ayant ta bosse. Voilà. Pour l'instant, il a subi aucun coup critique. Hein. Là, il peut m'en mettre un, je m'en fous. Parfait. Donc, ce sera peut-être le bon try, celui-là. Je sais pas si on est content. Il a bouffé 3 trucs dans la gueule. Il est un peu mal. Ça peut me faire très mal. Ici, on préfère attendre un tour. Bon, ben là, il faut pas qu'il me fasse un... Voilà, ça c'est bien. Et au prochain tour, qu'est-ce qu'il fait? Putain. Mais on dirait qu'ils sont programmés pour casser les couilles, quoi. Et c'est que du hasard, bien sûr. Hein, mais comme l'impression que ça laisse est très forte. Le pire étant que s'il n'avait pas mis de coup critique avec son premier truc, il n'aurait eu aucun problème. Allez, 3 coups coco. 1, 2, 3, c'est bien. Combatif, tout ça. On protège les points de vie encore une fois de du bon.
Et il m'a mis un coup critique. Soit qu'il m'a mis un coup critique, il m'aurait tué de toute manière. Non, 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 non. Là, il faut que je refasse, non? Ouais, il faut que je refasse. On va tenter quand même, comme ça me ferait chier. Là j'ai envie de dire il me la donne, c'est très bien, continue comme ça. On veut qu'il soit lui, qu'il soit la mascotte de tête et pas le serpent, parce que le serpent devait être chiant, mais chiant. Voilà, donc lui nous a bien permis de nous reposer, c'est bien ça. Et maintenant, on fait le trade le plus simple de la galaxie. Ouf. Voilà. C'est pas la méthode la plus efficace, mais c'est la première que j'ai trouvée et elle marche. Voilà. D'une manière ou d'une autre. Ouf. Behind the veil, all you find is death.